Les Pays-Bas, troisième du dernier mondial au Brésil, et la Suède de Zlatan Ibrahimovic, tirage corsé pour les Bleus. C'est pas un groupe facile, ça aurait pu être pire, mais on aurait pu aussi tomber sur des adversaires plus à notre portée. C'est des belles équipes de football et je pense qu'au niveau de l'intérêt sportif, ça va être intéressant. Groupe composé également de la Bulgarie, un souvenir douloureux pour le football français. Les Bulgares avaient empêché les Bleus de jouer le mondial aux États-Unis en 1994. Même des équipes comme la Bulgarie et la Biélorussie qu'on a eu à rencontrer aussi pour la qualification pour la Coupe du Monde au Brésil nous avaient créé des difficultés. Donc c'est un groupe, je le répète, qui est pas facile. Pas facile non plus pour l'Italie et l'Espagne respectivement championnes du monde 2006 et 2010 qui vont s'affronter dans le groupe G. Les 9 premiers de chaque groupe seront qualifiés directement. Les 8 meilleurs deuxièmes participeront quant à eux au barrage. La campagne de qualification commence le 4 septembre 2016.